rain on them. Eh bien, salut à tous les amis, c'est Monsieur Craftonix. On se retrouve pour un nouvel épisode sur la ville moderne. Devant notre aéroport que nous avions commencé la dernière fois, donc on avait fait la tour de contrôle ensemble plus précisément, que je n'ai pas encore aménagé, je le ferai peut-être très prochainement. L'aménagement de l'aéroport, je le ferai seul, je vous montrerai pas parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup trop d'épisodes. Donc voilà, je le ferai, je vous montrerai après un petit peu ce que j'ai fait. Aujourd'hui, on va s'attaquer au terminal, donc il me semble que ça se dit comme ça pour un aéroport, je suis pas très sûr, mais il me semble. Donc le terminal, c'est l'ensemble de l'aéroport. Donc aujourd'hui, on va pas faire là où l'accueil où on arrive. Avec les enregistrements de bagages et tout ça qui se trouvera par ici. On va faire surtout le couloir qui servira d'accès aux avions. Vous savez, vous avez des grands couloirs et vous avez les avions qui sont garés tout le long. Donc on va faire ce couloir. Donc voilà le petit pattern que j'ai fait qui est assez sympa. Donc je vais vous donner les mesures, mais voilà, je vous donne juste ces mesures là, le reste je le ferai un peu hors caméra parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc ça fait 5 de haut, on décale d'un, 4 de haut, on redécale d'un, 4 de haut, on redécale d'un, 3 de haut, on redécale d'un, 3 de haut. Voilà, bon, ça c'est pour l'autre bout du toit, donc on ne compte pas ce bloc-là. Ensuite, vous espacez de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Au 15e bloc, vous mettez votre début de pilier. La même chose que de l'autre côté, 5, 4, 4, et vous vous arrêtez à 1. Vous faites 5, 4, 4 et vous faites juste 1. Hop, comme ceci. Parce qu'en fait, votre toit doit être en biais. Le toit, vous partez en faisant 3 avec un escalier au bout. Vous redescendez en faisant 4, 4, 5, 5 et 5 avec un escalier au bout. Voilà. Ensuite, on va mettre donc nos repères à 20 blocs de large à chaque fois. Voilà. Donc, c'est ce que je vais faire tout seul, les amis. Et puis, ben, on se retrouve juste après pour continuer. Bien, re tout le monde. Donc, voilà, tout est normalement terminé. Donc, je vais bien regarder quand même que tout soit aligné. Hop. Bon, ça a l'air d'être bon. Ce qu'on va faire maintenant, toute la façade, ça va être très simple. Ça va être quasiment que des vitres. Pourquoi ? Parce que bon, faut quand même qu'on ait une visibilité sur l'aéroport, ça peut toujours être sympa. Faut qu'il y ait beaucoup de luminosité parce que c'est quand même quelque chose qui va être assez grand. Je pense que vous vous rendez compte, si le sol est là, ça fait quand même assez élevé comme plafond. Donc voilà, c'est pour éviter d'avoir à mettre aussi énormément d'éclairage au niveau de l'intérieur. Donc ce que je vais faire après tout seul, bien évidemment, c'est que je vais tout relier comme ça au niveau du toit. Hop, vous voyez le truc, hein. Ça va être assez comique à faire. Comme ceci, hop. Les escaliers qu'on mettra au bout, bien sûr. Voilà. Je vais faire ça tout le long. Et je vais également adoucir la pente avec des dalles. Je vais vous montrer ça tout de suite. Comment je vais faire, si vous voulez le refaire. Alors, si vous n'avez pas World Edit, je peux vous dire que vous allez trouver le temps long. Mais bon, ça se fait, hein, mais ça va être vachement long. Hop, et ensuite, on va mettre des dalles juste ici pour adoucir un peu la pente, en fait. Parce que sinon, ça fait une pente trop brute, comme les blocs sont assez hauts. Voilà, comme ceci. Et là, ça nous fait une pente beaucoup plus douce si on regarde sur le toit. L'intérieur, je le ferai peut-être aussi un peu plus tard, on verra ça. Ensuite, au niveau des vitres. Je vais mettre des vitres tout le long. Alors, pas ici... en bas, je pense que je vais laisser 1. Je vais mettre 1 comme ça, vous voyez. Parce que sinon, elles vont toucher le sol et ça va pas être beau, je pense. Et ensuite, bah, des vitres tout le long. C'est simple. C'est pas plus compliqué que ça, les amis. Ouais, c'est ça. Vous mettez des vitres et vous vous arrêtez juste ici. Aux deux derniers où on met une couche de neige. Voilà, comme ceci. Je vais faire ça sur 3 de large pour que vous rendiez compte un petit peu de ce que ça donne. Hop, 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 hop. Voilà. Et ça vous donnera quelque chose comme ça. Et encore, je trouve que ça fait un petit peu beaucoup, là, de mettre de la neige partout. Comme ça, est-ce que ce serait mieux ?
Ouais, comme ça c'est mieux. Écoutez les amis, je vais faire ça sur tout le long. Et puis ensuite on regardera où est-ce qu'on peut mettre nos accès aux avions. Vous savez, il y a des espèces de grands bras qui partent de chaque côté des avions pour embarquer. Je pense qu'on les mettra à peu près à cette hauteur, donc il faudra recasser des vitres. Enfin, je vous expliquerai ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve pour la suite de notre aéroport. Finalement, j'ai viré toutes les vitres du bas parce que ça faisait trop de vitres. Et trop de vitres tue la vitre. J'ai mis des petits motifs en bas, alors peut-être que j'enlèverai parce que je me rends compte que ça fait un peu rigolo, enfin je sais pas. Je trouve pas ça super chouette. On verra après, je les enlèverai si vraiment ça me va pas. J'ai mis ça tout simplement en fait parce que ça faisait trop blanc, trop de lignes droites. Et j'aime pas les lignes droites comme ça. Donc ici j'ai fait la première entrée d'embarcation. Donc on va essayer de faire ça ensemble. Comment est-ce qu'on pourrait le faire? Alors c'est surtout ça, hein. C'est vraiment la grosse question. C'est plutôt comment on va faire. On va essayer comme ça. 3, 4, 5. Hop. Peut-être un peu plus longue. Comme ça m'a l'air pas mal. Du coup, là, on peut pas mettre de dalles. Je voulais mettre des dalles, mais ça peut être possible du coup. Dommage. Pourquoi ça va pas être possible? Parce que je vais mettre des vitres. Il y a des vitres au milieu. Oui, je ne savais pas non plus. Au début, je pensais qu'il n'y avait pas de vitres sur ce genre de choses. Et comme je savais pas du tout comment faire ça, bah, j'ai été voir un petit peu sur Internet. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des vitres. Voilà. Hop, comme ceci. Ça va peut-être faire un peu gros. Ouais, ça va peut-être faire un peu gros, les amis. C'est dommage, putain, c'est dommage. Je vais essayer. Et puis on verra juste après ce que ça donne. Vert, on peut mettre quoi comme vert? Du vert gris. Ouais, bon, j'en ai déjà, c'est bon. C'est ce qui reste le mieux approprié. Genre comme ça. Hop. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça. Ça va, en fait, ça fait pas trop gros. Vous savez où je vais les mettre, les dalles, les amis? Je vais les mettre au sol, en fait. Parce que, ouais, c'est vraiment au sol que ça fait pas beau. Que ça va faire gros, en fait. Ouais, donc c'est ce que je vais faire. Je vais les mettre au sol. Pour que ça désépaississe un petit peu la chose, on va les mettre au sol. Je sais pas si vous vous rendez compte de ce que je suis en train de faire. Je sais pas comment vous expliquer ces espèces de gros tunnels là qui amènent jusqu'aux avions. Ouais, on va mettre des dalles au sol, ce sera quand même beaucoup mieux. Alors moi j'ai World Edit, mais je suis en train de tout péter à la main, c'est vraiment débile. Parce que je perds un temps pas possible. C'est pas grave. Hop. Bon, en tout cas, j'ai vraiment l'impression que cet aéroport va nous donner du fil à retordre. C'est pas grave. On aime la difficulté. Soyons fous. Ouais, les dalles, ça passe quand même beaucoup mieux, je trouve. Hein. Je sais pas si vous trouvez aussi, mais ça fait quelque chose de, mais ça fait quelque chose de beaucoup plus fin. Je suis content. Je suis finalement content du résultat. Je voyais ça très mal parti, mais non, ça va aller. Ensuite, on va se faire. Donc ici, du coup, on aura un avion au bout, logiquement. Alors par contre, est-ce que j'ai pas intérêt? Normalement, ça s'est tourné, hein. Ça se met sur le côté, si je ne dis pas de bêtises. On va remettre le jour, sinon vous n'allez plus rien voir. Ouais, ça se met sur le côté. On va faire ça comme ça. Ouais, du coup, on va enlever les vitres sur le côté pour la jonction. Normalement, c'est des espèces de gros soufflets là qu'il y a sur les côtés, sur les espèces de virages comme ça. Mais sur Minecraft, ça va être dur de faire un soufflet. Du coup, on va laisser en bloc normal. Hop. Et si on met des distributeurs au bout pour faire comme si c'était. Ah ouais, c'est pas mal ça. Time set day. Laser clear. Hop. Voilà.
Ouais, je sais pas trop en fait. Écoutez, on va finir ça. On va voir comment on peut arranger ça, les amis. Hop, ça peut aller en fait, ça va, ça fait pas trop trop moche. Faudrait qu'on le fasse en décalé surtout. Pour qu'on donne l'impression que ça fasse un rond. On y est presque. Nous sommes presque au résultat. Hop. Du coup, ça on va enlever. Ça aussi, ici, on peut continuer un petit peu en vitre, comme on a un espèce de virage. Ça, on peut virer. Ça aussi. Hop. Voilà, du coup, on va peut-être laisser comme ça. Peut-être en remet. Si on boucle avec ça. Ouais, ça me va déjà mieux. Ça me va mieux. On va prolonger ici. Du coup, on va faire de 3. Comme ça va être pas mal. Hop. Là, on remplit. On va mettre des vides du coup. Hop. Et ici, on va mettre nos fameux distributeurs. Voilà, nickel. Bon, bah ça rend plutôt pas mal. Je pensais pas que ça rendrait comme ça au départ. Je suis plutôt content. Et il manque une petite chose, c'est un peu la touche finale. C'est ce qu'il y aura dessous. Donc ce que je vais faire, les amis, je vais faire mon petit support de dessous rapidement. Je vous expliquerai comment j'ai fait juste après. Et on se retrouve pour finir l'épisode ensemble. Allez, à tout de suite. Bien, re tout le monde. Donc voilà, opération terminée. Très simple, hein, dessous j'ai mis des murets avec des blocs de laine et des boutons, hein, rien de très extraordinaire. Par contre, ce que je veux faire, si j'arrive à retrouver ma touche, voilà. Ça me va pas tellement. Alors du coup, ça va pas faire joli dessous, je crois. Ah si, ça va, ça passe. Ça met même un peu de détails, ça c'est cool. Bon bah voilà, on a un premier première embarcation à un avion qui est terminé. Bon après le truc c'est de faire l'avion, ça c'est un petit peu plus rigolo. Va falloir que je le fasse assez haut finalement. Parce que pour que l'entrée arrive ici, ça va faire un sacré avion quand même. Bon, c'est pas grave. On verra comment on peut faire. Je prolongerai peut-être encore le couloir hein, pour en refaire un deuxième ici avec un avion à côté. Sûrement la prochaine fois quand on se retrouvera pour l'épisode suivant, j'aurai fait le derrière ici. Hop. Donc là je vais faire très simple. Hein. Si vous voulez le faire de votre côté, on remplit tout en bloc de neige et on met des vitres à cette hauteur. Je me trompe pas. Voilà, mettez des vitres à cette hauteur et tout le reste en bloc. Et vous faites bien évidemment repartir vos blocs ici. Voilà. Bon écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu sur le début de l'aéroport. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, à mettre un pouce vert, ça me fera très plaisir. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les amis.